Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Pascal. Salut John! Eh bien, fini l'électricité. Bah ouais, tu nous as gâtés, t'as sorti la petite guitare pour jouer au coin du tu feu. Tu sais, maintenant il faut passer tout à l'électricité, et ben nous on fait le contraire. On passe tout au naturel, c'est-à-dire pas branché. C'est ça. Des guitares acoustiques. De l'acoustique. Bon. Pure. Bon, on n'a pas pris n'importe lesquelles, encore une fois, voilà. Hein. Oui, on s'est fait un petit peu plaisir sur le coup. Hein. Une petite Gibson acoustique. Une petite Gibson acoustique. Petite. Pas n'importe laquelle. Mais on est dans la gamme des studios quand même. On est quand même dans le studio. Ok, bon, en fin de compte, on va parler des tarots après tout ça, mais je vous la présente parce que je l'aime beaucoup cette petite guitare. Mm-hmm. C'est la fabuleuse guitare J200. Eh oui, la Super Jumbo. La J200 à moustache. Les fameuses moustaches. Moustache. Bon, j'avais commencé le truc avec un petit morceau de countryisant, une petite balade countryisante, pour voir un petit peu cette guitare. C'est vrai qu'en streaming, elle est redoutable, hein, Pascal. Oui. Le streaming, ça veut dire le jeu. Le jeu au médiateur. Et au balayage. Voilà, accompagnement. Rythmique. Et tout. La jumbo. Ah, c'est fait pour. Hein. C'est fait pour, on en a vu plus d'un jouer avec ça d'ailleurs. C'est ça. Bon, tu m'en parles un peu parce qu'elle est belle quand même aussi. Voilà, elle donc. Bah oui, elle est belle. Donc, une belle SJ200 Studio Gibson. Et donc, particularité, elle est électro déjà. Tu vois, t'as ton doigt là-dedans. Oui, alors là, j'ai des petits boutons qui sont là. Tu vois, il y a un préampli dedans. Maintenant, c'est une guitare en épicé à Sitka pour la table. Et on est en noyer pour le dos et les éclisses. Alors attends, bouge pas parce que je vais la retourner. Vas-y. Et tu vas voir que j'aime beaucoup. Je pense que tu vas avoir beaucoup de brillance, mais... Ah ouais, il y a un peu de lumière là, mais on voit quand même, il y a quelque chose là. Tu vois ce petit truc là, c'est beau hein. Ouais, bah oui, sympa. Ah, c'est beau, bon les mécanos là-haut, bon bah ça, c'est du solide. Hein. Mécanique Grover, et puis touche en noyer aussi, du coup, corps. Voilà, dos et éclisse et touche en noyer. Je la tourne tout doucement, ça brille un peu parce que... Alors, vous allez me dire, ouais, vous n'êtes pas sur, comme d'habitude, sur le magasin. Ben on a changé. Voilà, on s'est dit, pourquoi pas. Parce qu'on a aussi des studios de répétition chez Hurricane Music, Hurricane Music Studio, etc. Et comme il n'y avait personne, on s'est dit, on va squatter les studios. Ben pourquoi pas. Hein. Voilà, on a changé un petit peu de lieu, mais bon, ça nous fait du bien aussi de changer. Mmh. Donc, moi, je la trouve très très belle, le pitguard et tout, typique de chez Gibson. Pitguard en tortoise, là. Voilà, c'est beau. Les repères, bon. Les repères, crown. Yeah. Comme on dit, tu dis quoi? Crown. Voilà. Couronne. J'aime cette guitare, moi, j'en ai une déjà aussi, et franchement, c'est une gratte que j'aime beaucoup. Alors. Le strumming, oui, c'est-à-dire le strumming, on va y revenir, je vais faire quelques petits accords pour que vous ayez bien, il y a le disque rayé, le disque rayé. Et là, sur YouTube, là, c'est compliqué, il y a un problème. Bon, non, il n'y a pas de problème, c'est ma langue qui a fourché. Donc, oui, on va la faire un petit peu en balayage, bien sûr, et je vais la faire au doigt un petit peu. Ouais. Hein, voir un petit peu ce qu'elle donne, la petite... Bon, allez, on y va avec des accords. Encore une fois, très très simple, hein, on va pas faire des trucs trop compliqués, simplement voir vraiment la guitare. Ouais.
À l'aise de chez à l'aise. Ah bah oui, franchement. Là, franchement, bon, rien à dire, la gratte, elle est présente. Là, franchement, quand je la joue, j'ai une belle résonance sur moi. Tu vois, c'est, ouais, ça vibre. Bien le dos vibré, quoi. C'est ouais, très agréable. Alors on a dit, on a oublié de dire qu'elle est en vernis nitrocellulose, oui, hein, donc oui. Voilà, cellulosique même. Et du coup, bah, elle respire cette guitare. Ça y fait, ça y fait beaucoup. Ça vibre. Là, franchement, là, on a quelque chose qui rue. Mm-hmm. Moi, j'aime beaucoup. Hein, voilà, c'est une jolie guitare en plus. Hein. Alors, bon, on avait vu le médiateur, le spectre, Le plectrum. Le plectrum. Une niche. On va peut-être s'arrêter là. Le pic. Le pic. On va aller maintenant au finger. Voilà. Ah. Fingerstyle. Alors, fingerstyle, je vais faire à peu près les mêmes accords pour vraiment qu'on définisse un petit peu le truc. Tu vas voir, c'est assez simple. Ok. Vraiment, toujours en prise micro, les enfants. C'est plutôt sympathique. Hein. Ça marche aussi. C'est assez équilibré. Finalement. Ça marche aussi. Je vais faire un petit peu différemment. Vas-y, voir, hein. Reste. Ça marche, hein. Ça marche, ça marche, hein, le truc, hein. Vachement bien, cette histoire. Très joli, ces petites sonorités là. Eh, franchement, ça marche. Ça marche. Attends, je regarde un petit truc là quand même. Vas-y. Donc. Qu'est-ce que c'est? Attention, verdict, le prix, el precio. 3,5. 3,5. 3500 balles, mais alors là, franchement, ça les vaut, les enfants. Hein. Donc, regardez. Bon, Gibson, de toute façon, et Gibson, hey, ils sont revenus aux affaires. T'as vu un peu la finition et tout ça. Ouais. Regarde-moi. Bon, l'arrière, tu vois, je t'avais dit. Hein. Ouais, électro, on peut se brancher. On l'a fait exprès de pas se brancher, mais bon, c'est classe. Bon, c'était bien ça, c'est une Gibson. Et puis, tu sais, il y a une autre grande marque américaine. Eh ben du Balèze. Oui. Du Balèze de chez Balèze. Bah, du gros Balèze. Ce serait pas un truc de. Attends. Quelle époque? Vas-y. Ah ouais. Ah ouais, là on passe à un autre niveau là. Regarde ça, le repère, gnagna. On est dans le même format si tu veux. Oui, c'est une jumbo. C'est une jumbo. Mais c'est vrai qu'elles sont plutôt rares dans cette marque américaine. Dans cette fameuse marque Martin. Eh oui. Bon, alors oui, c'est du lourd, c'est du massif, c'est du lourd. Ça pèse 3 tonnes. Hein. C'est la fameuse J40. Ça pèse 3 tonnes, alors ça peut pas être très très agréable à jouer, du coup. Je suis très balèze. Ah, et t'oublies que, regarde. Non mais rassure-les, dis-les qu'elle pèse pas 3 tonnes. Non, elle est, elle regarde, voilà. Ah bah voilà, une guitare toute légère, en bon, épicéa. Allez, je fais un petit tour avec, parce que regarde comme c'est beau. La J40, je la tourne pour que tu voyes un petit peu. Oui. Voilà. Bah, ouh, c'est magnifique. Oh, Derrick Bunn. Oh, comment c'est beau. Oh, les petites mécaniques de Ray Martin. Oh. Alors bon, alors la J40, ben c'est une guitare de haut vol quand même. Hein. Ah oui. Et puis c'est la Sitka, palissandre d'Indre, massif hein, sur les partout. C'est bon. L'acajou. Tu touches en ébène. Ébène. Et les repères bling bling. Bah je trouve pas moi. Un petit repère bling.
Oui, non, mais ils sont beaux. Oui, ils sont beaux. Ils sont beaux. La Des tête beaux repères magnifique. en acre et puis la tête magnifique, c'est MF Martin. Hein? Ah oui. On aime bien ça. Ouais. Pour Chris, hein? Ça fait Chris. Ouais. Bon, la J40, c'est une guitare un peu particulière dans le monde de Martin, c'est vrai. On a l'habitude de voir beaucoup double 0, 3-0, OM, D. Enfin voilà, on les connaît toutes, celles-là. Et la J, c'est vrai qu'on la voit. C'est un oiseau rare quand même. C'est ça. Ouais, on l'a pas vu souvent quand on l'a eu, mais elle n'est pas de rester souvent non plus, hein, tu Elle n'est pas restée souvent non plus. Bon, allez, j'y vais, parce que de dire, bon, à taper de la tête comme ça, c'est bien, mais On veut l'entendre! on veut l'entendre, on veut l'entendre. Allez, c'est parti. On va y aller dans les trucs simples. Vous allez voir que je vais commencer avec le Mediator. C'est riche, c'est beau. Plein les oreilles, hein. C'est redoutable. Une véritable machine. Elle est bon, typé Martin à fond, hein, par rapport à sa copine Gibson. Voilà, et c'est normal. Oui, encore heureux. Très facile à jouer comme sa copine. J'ai moins l'impression d'avoir une jumbo. Tu vois? D'accord. On se rapproche d'une quoi alors? Une D. Une D. Ouais. Ouais, c'est assez J'ai puissant. Plus dans ce monde-là, toi. D'avoir une. D'avoir une guitare assez bluffante et facile à jouer. Tu vois? Manche, alors manche, voilà, très fin, mais franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Mais voilà, le doigt, ben. C'est Martine. Ça sonne. Ça sonne Dans sa splendeur. Martine. Alors là, pour la petite truc, celle-là, tu vois, elle n'est pas du tout électroacoustique. Bah, non, pas électro. Mais on peut mettre un micro si on a envie. Ben voilà. Bon, le prix d'une belle comme ça à neuve, 5 000 balles. Ouais, 5 500, je crois. 5 500. Celle-là, elle est un peu particulière, puisque c'est une guitare qu'on avait déjà nous vendue. Elle est d'occasion. Ouais. Et je crois qu'elle frise les 3,8, 3,9. C'est ça, Donc ouais. c'est le coup à faire. Hein. Eh bah ouais, la guitare est dans un état. Somptueux. C'est clair. Hein, somptueux. Donc ça ne va pas durer, c'est sûr. Voilà. Et voilà les sons qu'on peut avoir. Voilà, je la mets en détune de ré pour ça, pour toi, la puissance de feu de la guitare. Hein.
C'est bien sympa tout ça, dis-moi. Oui, je vais détuner l'autre pour voir. Allez, détune l'autre. Petite comparaison là. Oh là, les gens là, moi. Même truc, même puissance, tout ça. Basse, le son Martin sur ma J40, et là j'ai le son Gibson d'une J200, et ça va très bien aussi. Ouais, c'est le truc, c'est que ça va très 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 bien aussi. Je suis plus pincé, j'ai plus de mordant, j'ai plus d'attaque. Ça vient des bois, bien sûr, le walnut, la table, mais de la forme de la guitare, de la J. Franchement, je sais pas quoi te dire, moi, c'est ces deux monstres là. Et ouais, bah, il va falloir choisir. Alors choisir. Même si on aimerait bien avoir les deux. Oui, franchement, là, moi, je gagne l'auto. On me dit, John, tu as deux pelles acoustiques à choisir entre les deux, tu prends laquelle ou tu prends les deux? Bah, je prends les deux. Hein. Voilà, je ne choisis même pas là. Les deux parce qu'elles sont différentes et vous amèneront des choses différentes. Le jeu, le manche est un peu plus, alors pour dire un peu plus de matière sur la Gibson, c'est un peu normal et elle est plus massive. Oui. Donc attention, les gens qui n'aiment pas avoir des manchés là-haut importants, les jumbo, attention, surtout de chez Monsieur Gibson. Oui, surtout celle-là, on voit qu'elle est plus... Surtout elle a des hanches plus grosses. Bon, moi j'adore la gueule, la moustache, toute cette gratte, de toute façon, les deux, hein, c'est de l'histoire de la guitare. Ouais. Bon, vas-y, fais-toi plaisir, parce qu'à chaque fois, c'est moi qui commence. Vas-y. Bon, allez. Je prends les belles en faisant très, très, très attention. Oh là là, c'est un beau petit... 10 couleurs patinées là sur la J40. C'est de moi que tu parles ou c'est des pelles? Des pelles, elles sont patinées, pas toi. Je suis pas patiné, bref. Pas encore. Bref, ça commence un peu des fois. Bon, alors du coup, je pense que moi la petite J200 là, elle me fait de l'œil. Petit côté Elvis, tu vois. Je prends ça là et puis je fais. Blue moon. Bon. On arrête là, ouais. Bon, ok. Ok, donc tu as choisi la J200. Ouais, la petite J200. Eh ben, je vais prendre la J40. Tu prends la J40? Ben ouais, parce que tu sais que mon côté martiniste quand même, hein, qui est là, qui est fondamental pour moi, je prends la J40. Mais attention, la J200, elle fait grave, grave. Elle est belle. Elle est belle, elle a la gueule, elle a tout. Enfin, les deux sont magnifiques. Voilà, je le retourne un petit peu là. Tu vois, regarde ce dos là. Ah oui, le dos est magnifique. Petit dos unique. C'est pas acheté non plus. On est sur un beau palissandre. Bon, moi j'ai pris une J40, t'as pris une J200. On est dans le monde des jumbo, des grattes à 3009. Attention, je précise bien. Oui, ça c'est pas le prix normal. Non, c'est 5005. Là, on est d'occasion à 3009. Hein. Ouais. Par contre, là, c'est son prix. Hein, petit. Bon. Et oui. Bon, et du coup, nos copains, qu'est-ce qu'ils ont envie de choisir? Faut qu'ils nous disent laquelle ils préfèrent. Voilà, Gibson ou Martin? Martin ou Gibson? Voilà. Bon, bah, dites-nous tout, vous mettez dans les commentaires, si ça vous a plu, si vous voulez encore plus d'acoustique souvent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'acoustique, On y revient un petit peu, on va en refaire, bien sûr, comme on a fait des pédales, les effets, etc. On attend les nouveautés, quoi, les nouveautés qui arrivent pour qu'on puisse faire des trucs qu'on n'a pas déjà fait. Car le NAM est passé, les nouveautés arrivent, donc on ne va pas se priver de faire de l'acoustique, les enfants. Et dans tous les prix, parce que, évidemment, là, on est dans les 4000 boules, c'est vrai que c'est un... Oui, c'est un budget. Prix. C'est un prix. Bon, on descendra beaucoup plus bas dans le prix. Exactement. Donc moi, je trouve que j'étais plutôt content de rejouer un peu d'acoustique avec toi, Pascal, et de ne pas avoir un Marshall JCM800 qui me hurle derrière. Bah oui. Hein, et tu as vu le batteur, on l'a viré. On se dit que... Ouais. J'ai même démonté ses cymbales au mec. Il n'a plus rien. On s'est dit qu'une petite boîte rythmique, une boîte rythmique, ça fera l'affaire. Mais on n'a pas besoin. Et aujourd'hui, vous savez quoi? J'ai pas fait de jeu, exprès. Ah ouais, ils vont tous me dire « j'ai reconnu ça, j'ai reconnu ça, j'ai reconnu ça !» Alors, il y a un bride d'un titre qui est dedans. Oui, mais c'est pas un jeu, tu dis, donc du coup, il n'y a rien à gagner.
si quand même quelqu'un met ce titre-là, ben, je serais capable de lui envoyer quelque chose. Ouais. Et puis, c'est pas Blue Moon of Kentucky. Hein. Non, non, faut pas qu'il cherche. C'est pas celui-là. Ou alors, attends, Carlos, par exemple. Hein. Ouais. Ouais, Carlos, on nous l'a déjà sorti, ou Frida ou Papa. Voilà. Ou alors, voilà, plein de trucs comme ça. Non, les gars, non, non, ouais. C'est pas dans la chanson française. Bon, ok. Ça, vous oubliez. Hein. Chanson américaine. T'as quelque chose contre la... Non, on va pas commencer ce débat. Ah bah non, non. Bon, hein, non, rien. Ouais. Donc, du coup... Eh ben, si vous voulez suivre nos aventures, écoutez John en acoustique, en électrique, en banjo, en dobro, sous la douche en train de chanter. Eh ben, faut regarder nos vidéos. Et le dobro, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Ouais. Donc, faut regarder nos vidéos sous, pas sous la douche, faut regarder nos vidéos sur YouTube. Sous la douche. Vous abonner. Et puis, bah, donc ça, c'est la vidéo du vendredi. Et puis, Thomas, la vidéo du mercredi. Eh oui. La guitare after work. Voilà, en direct du en live de Bordeaux. De Bordeaux, voilà. Bordeaux. Bah, nous, on est en direct des studios du Hurricane Music de répétition ouais, à Nantes. Et puis, moi, je trouve ça plutôt joli. Hurricane Music. Qu'est-ce que t'en passe? Oh, bah, moi, j'y suis ce soir, là. On va faire péter le son. On va faire péter le son. Mais non, on est acoustique, là. Non, mais non, mais ce soir, je serai en électrique, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, d'accord. Ouais. T'as monté un groupe? C'est ça, l'American Music Band. T'as monté un groupe? Ouais. Tu sais quoi? Ouais. Moi aussi, j'ai monté un groupe. Ah, oui. Ouais. Bon, on en reparlera. On en reparlera. Ouais. Allez, les enfants. Bon, allez, bisous, et puis bah, la semaine prochaine. La semaine prochaine, ciao. Oh.